Bonjour, donc je m'appelle Thomas, donc je viens de la ville de Colombe, à côté de Paris, et je suis là sur la, à Turin, sur la piste d'essai de Fiat Alfa Romeo, donc invité par Alfa Romeo pour essayer des belles voitures et pour avoir la présentation de Alfa Romeo Mito. Le système Q2, après avoir comparé avec la Brera qui ne possède pas et l'Alfa qui ne possède, c'est bluffant comme système. C'est dans le virage, on peut accélérer, la voiture reste droite, quoi. Elle sort pas du virage ou autre, c'est assez impressionnant. Je vais te donner ce cadeau. Merci. Ah, belle casquette Alfa. Ah, une clé USB. Ah ouais, si, il est chouette, il est joli celui-là, ouais. Tout en carbone. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la sécurité de la voiture. D'accord. Mr. Sardi. First of all, the new Alfa Mito has been thought and designed since the beginning to achieve the best safety performance in Europe. Really, the new Alfa Mito will represent in 2008 and also in the future the best top safety level in Europe for the Alfa brand. We know that more or less at the end of 2008 or in the autumn there will be a modification or an update of the Euro NCAP rating. The new Alfa Mito will be ready and capable to achieve the best performance. Roughly we have 7 airbags, the double pretensioner on the front belt, the SBR that represents the seat belt reminder, the anti-whiplash device on the seats, a collapsible steering column for the front crash, the dashboard that is already capable to achieve the performance of OOP, that is the out of position test, something dedicated to the US market, not for the European one. Tell me about the safety pedestrian. For the pedestrian protection, as you see also in the simulation, we test all the bumper, and also in this case, we try to optimize all the components inside just to avoid any possible damage to the pedestrian leg. We optimize all the stiffness of the inside component. Alfa Mito, la prima auto. Zelata, in ante prima d'Amérique.